Allez, on est parti. Alors, ah, il manque le bâtiment pour chien. D'accord, c'est bien, ils ont précisé. Alors, bâtiment, 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 construction, bâtiment. Il manque le celui-là, 4400. Les enclos. Le bâtiment pour les chiens, il est là. Pour bâtiment pour les chats. Non, bah non, il doit manquer celui-là alors. C'est pas l'enclos, c'est. Ah, le son est pas très élevé. Du coup, il me faut au moins 4004. Ok. Bah, les photos ont toutes disparu. Super. Est-ce que j'ai des pépettes actuellement? Je me souviens plus. On va nettoyer du coup. C'est propre, ok. Du coup, de l'eau. On refait le plein. Ok. On va voir chez les chats. Litière, c'est bon. Litière, c'est bon. Oh, ah. Et voilà. Ok, donc tout est bon. Alors, animaux à sauver. Et bah, il y a Francky. On est parti. Alors du coup. La faim et la soif, on va le laisser boire et manger. Voilà. Alors du coup, t'as mangé, t'as hop, litière, ok. Une fois que t'es sorti, on va aller voir ce que t'as. Hop, viens à la pépette. Alors, rasoir. Alors je recommande des mandats. Hop. Alors.
déjà ça. Et le plâtre adhésif, c'est ça qu'il va falloir commander. Et voilà. Salut Oshi! Alors, du coup, qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Divertissement et t'as de la fourrure. Hop, on va te sortir et tu vas jouer. Hop, viens là. Voilà. Et ensuite, divertissement, donc le laser. Hop. Et voilà. On va aller s'occuper. Jasmine a soif. Ah, elle a plus d'eau. Ah. Bah, si, il y a de l'eau. Pourquoi tu bois pas? Peut-être que je l'ai mal placé. Alors attends, on va décaler. On va décaler ce bol-là. Et voilà. Voilà, c'était ça, en fait. Il y a le bol qui t'empêchait de passer. Toi, tu veux encore jouer? Allez. Oula. Oula. La sauvegarde de la partie qui fait bugger le truc. Alors pourquoi j'arrive pas à voir ce que t'as toi? Ah, tu fais un cookies. Tiens. Voilà. Allons voir un peu Jasmine. Elle veut des caresses, elle veut qu'on s'occupe d'elle. C'est parti. Allez, viens là, Jasmine. Là, tu fais aussi qu'on te brosse. Ah oui, c'est clair quoi, c'est le truc qui te fait planter ton jeu et ça te bloque tout. Allez. Voilà, je vais te remettre dans ta cage parce que tu veux aller. T'as besoin de... Hop, viens là. Parce que je vois que... Et on va faire des photos. Coucou Francky. Voilà. On va aller voir Jasmine aussi. Et voilà. Oula. Merde, j'ai encore pris une photo de la porte. Celle-là. On jette, celle-là, on jette. Voilà. Adopter la porte. Bah écoute, ça a l'air parti pour vu que je la prends en photo. Hop. Ça c'est Francky. Il est là.
Et Jasmine. Coucou. Ah bah c'est sympa si t'aimes les animaux. Si t'aimes les animaux, ce jeu est génial. Hop, je vais les récupérer. Un peu ce qui se passe. Mais ouais, si t'aimes les animaux, si t'aimes les chats et les chiens. Alors, t'as l'air mal en point. On va commencer par ça. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai plus de plâtre hémostatique. Ah, attends. Il va falloir qu'une chaîne 5 minutes, le temps que je m'occupe de ça. Ouais, enfin oui, pour l'instant avec des chiens et des chats, je sais pas du tout s'ils vont rajouter autre chose ou pas. Je l'espère, ça pourrait être sympa, mais faut que je recommande ça, j'en ai plus. Hop, médecine, ah c'est ça. Hop, ça j'ai, bandage j'en ai encore, hop, et voilà. Merde, j'ai oublié de le commander. Ça va, enfin, pour l'instant, c'est vrai que comme je fais des parties des sessions que le week-end, des sessions d'une à deux heures, ça va. Mais c'est vrai que si tu fais que ça, oui, ça peut être très répétitif, quoi. Je dois pas en avoir 5. Là, je dois en mettre 2 au même endroit. Mais ça va. Oui, c'est que ça reste quand même répétitif, c'est occuper les animaux, c'est les soigner, c'est machin, tout ça. Mais je trouve qu'ils ont bien modélisé le côté quand tu les grattes, quand tu les caresses, tout ça, donc ça reste assez sympa. Allez, viens là, toi. Viens la pète, on va s'occuper de toi, c'est le plus urgent, c'est ça. Du coup, le rasoir. Hop. C'est bon. Ah, il est là le dernier. C'est quoi qui est tombé là? Je sais pas. Hop. Ensuite, t'aurais une puce, c'est ça? Ouais, vu que tu me demandes une pince, c'est que t'as une tique quelque part. Elle est là. Voilà. Et du coup, c'est bon, t'as plus rien. On va te laver. Va falloir acheter du shampoing aussi à un moment. Ah, sauvegarde, voilà. Putain, la sauvegarde qui te fait complètement péter le truc. Puis c'est mignon, c'est chill, c'est bien, moi j'aime bien. C'est pour le côté week-end, ce petit côté chill et mignon, ça fait du bien. Ah, il reste quelque part. Voilà. Puis ça change des jeux de bourrin que je joue d'habitude. Oui, c'est ça, oui. Mais voilà, c'est le côté où tu peux te poser, c'est tranquille, t'as pas d'urgence, c'est pas la fin du monde, t'es pas là pour sauver le monde, t'es là pour t'occuper d'animaux qui ont besoin de toi. Moi j'aime bien. Hop. On a fait ça et ça. Ouais, comparé à Doom, voilà, c'est ça. T'as faim et t'as soif, c'est bon. On va te laisser te promener un petit peu, voilà. On va aller s'occuper des deux chats. Alors du coup, est-ce que j'ai des gens qui sont intéressés par les pépettes? Alors Francky, on va regarder un petit peu du coup.
Si, c'est parce que là je l'ai pris. En fait, t'as des trucs qui se passent quand t'as deux chiens dans le même truc, ils jouent ensemble et tout ça en fait. C'est juste que là, comme je l'avais à bras pour le nettoyage, tout ça, il bouge pas quoi. Alors, du coup, il est heureux, il est bête, il est méfiant et drôle. Drôle, je l'ai. Ça, je l'ai pas. Agressif. Et il faut quelqu'un qui a du temps. Donc, toi, c'est pas le cas. Ensuite. Alors, t'as quoi? Elle veut pas quelqu'un qui est bête. Bah, c'est raté, hein, voilà. Et en plus, t'as pas de temps non plus, donc c'est réglé pour toi. Ah. Non. Alors, quelqu'un qui explique. Elle veut pas quelqu'un qui explique, donc ça c'est bon. Heureux, grande vessie, ouais, il a pas de temps. Il a pas de temps non plus, donc c'est pas la peine. Pour le temps qu'il me trouve quelqu'un, on va regarder pour Jasmine. Mais c'est ça, le PNJ, c'est nom prénom, c'est Dominique Gaillard qui veut un animal. Ah, ton nom et ton prénom, d'accord. Bah tu veux un chat, c'est ça? T'as pas le temps pourtant, c'est ce qu'indiqué. Calme, grande vessie. Putain, c'est. Merde. Alors, il faut quelqu'un qui a pas d'enfant. Ok, calme. Ah. Bon, bah déjà, c'est pas la peine. Tu veux un animal qui te fasse confiance rapidement, donc c'est réglé. On va aller voir un peu le chien. On va le prendre en photo aussi pour son annonce. Il est où? Bah, il est là. Il joue avec un os. Hop. Du coup. Lewis, tu veux jouer à la balle. Alors, une balle, hop. Eh bien. Allez, merde, j'ai laissé la balle. Allez, on va se occuper des pets. On va essayer d'en trouver. Alors, du coup, je vais te sortir toi de ta cage. On va voir comment ça se passe tous les deux. Voilà. Alors, hop. Ah bah je t'avais dit, hein. Je t'avais dit. Alors, du coup. Il veut pas quelqu'un de glouton, c'est déjà ça. Ils veulent quelqu'un qui soit calme. Mais non, non, tu corresponds absolument pas à ce que veut Jasmine. Alors, au début, je trouvais assez rapidement. Maintenant, ça devient compliqué de trouver les bonnes personnes, quoi. Il faut de plus en plus se faire des concessions et c'est pas cool. Calme, confiance. Ouais, ça on s'en fout, elle l'a pas. Donc ils veulent une grande maison. Non, alors t'as tout, t'as rien qui marche, toi. Allez, Francky. Tiens, pendant que tu fais le truc, je vais scanner la photo pour le poupette. Bon, par contre, attends, la sauvegarde, quoi. Pff, la sauvegarde, elle est violente. Par contre, toutes les photos des autres, elles se barrent à chaque fois, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Fauteur de troubles, bruyant, heureux, t'as du temps, ça va. T'as le côté heureux. Va te mettre de côté pour l'instant, Nicole, parce que tu corresponds à quelques critères, mais pas à tous. Ah, le côté bête, toi tu veux pas. Dommage. Je pense que du coup, c'est pas pour toi. Hop, c'est quand même un de tes critères principaux. Viens là, Nicole. Du coup, tu corresponds un peu à Francky. Pour l'instant, j'ai pas de Jasmine. Ah, je me suis gouré. Et on va mettre la photo.
pour Lewis. Et voilà. Hop, Francky. On va chercher Francky. Il est là. Elle est où, Jasmine? Ah, t'es là. D'accord. Allez, viens, Francky. Et voilà. On va vite savoir si j'ai fait le bon choix ou pas. Alors, du coup, on est à 80%, ok, on est à 100%, ça va. Ça, c'était le bon truc. Du coup, hop, je suis à combien? Est-ce que j'ai assez pour acheter le dernier bâtiment? Normalement, oui. Ça va être juste, juste. Hein. Du coup, il me manque quoi? Il manquerait ça alors. C'est ça le bâtiment qui me manquerait. Mais du coup, j'aime pas ces bâtiments. Je voudrais te poser là. Tu m'aides pas là. Ok. Ah, la porte est là, c'est pour ça. Putain, je pensais que je suis con. J'ai quoi de côté. Et donc voilà, j'ai fait tous les bâtiments niveau 1. Posséder tous les bâtiments niveau 2. Ok. Alors, ça correspond à quoi les bâtiments niveau 2? Alors, ça serait mettre le bureau au niveau 2. Ok. Les vétérinaires aussi. Et mise à jour du logement niveau 2. Bon, on verra. Il faut beaucoup de pognon, donc on verra. Et j'en ai plus. Alors. Jasmine. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent Jasmine? Non. Ok. Alors, on va regarder les 8. Ah, j'ai passé pour... Donc, il ne faut pas que la personne se sente seule. Donc ça, c'est bon là, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Espier que s'ennuie glouton. Là, il n'est pas heureux. Elle veut pas de quelqu'un qui est idiot. Ça va pas aller. D'ailleurs, là, il va falloir que je le fasse un peu à l'arrache parce que j'ai pas toutes les infos et j'ai pas assez pour faire une enquête. Bah écoute, malheureusement, je suis obligé de le tenter en fait là. C'est un peu relou. On va attendre de voir. Bon, je suis pas convaincu par mon choix là. Ah putain. Ah, il y a des critères qui marchent pas bien quoi. Ah, j'ai juste un bien, ouais, c'est normal, ouais. C'était pas cool là. Bon. Ok. Du coup, maintenant, toi, je peux faire des inspections. On peut voir si ça marche. Grande maison, il y a un chien. Ah putain. Le problème c'est qu'il y a un chien.
calme. Qu'est-ce qu'il y a? Agressif. Ah! Ouais, j'ai pas vu qu'il était agressif, quoi. Petite maison, il y a un chien, donc ça c'est clair que toi ça marche pas. On va attendre de voir un peu. Alors, il y a quoi là? Winston, Cléo. Bah, il y a un paquet là. Allez. On va prendre Gizmo pour commencer. Gizmo a faim, Gizmo est sale, Gizmo a l'air mal en point. On va commencer par ça. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Pépette? T'as besoin d'un bandage. Je crois que j'en ai là. Hop. Ok, c'est bon pour ça. Ensuite, on va te laver et ensuite, tu auras le temps de manger. Quelle bouille! Alors, je pense que c'est ici qu'il faut que je... Ah, sauvegarde! Ah! T'as les violents de la sauvegarde! Petite bouille. Alors voilà. Hop. Ah non, mais c'est bon, je mets encore un de shampoing, c'est vrai. D'abord, heureusement, faut pas laver les chats parce qu'avec le sèche-cheveux, ça serait compliqué. Hop, du coup, on a réglé ces deux trucs-là. On va te laisser manger et tout ça. Du coup, celle-là, c'est plein. Tu peux boire et manger. Je vais remplir de nouveau ici. Et voilà. Hop. Et on va trouver une maison pour Jasmine. Jasmine, Jasmine, Jasmine. Hop. Déjà, grande maison, un chien. C'est ça qui pose problème, quoi. Et toi, t'as quoi? Espiègle, s'ennuie, ça va. Calme. Petite maison. Oh, pff, ouais, hop. Bon, y a un seul critère qui marche pas. Ça devrait aller. Hop, pendant ce temps-là. On va... Ralph. Ça c'est pour Jasmine. Non. Putain, pourquoi je vais... Hop. Voilà. Au niveau des critères. Il y a juste le côté chien qui passait pas, mais ça va. Du coup, on va attendre l'autre voiture qui arrive. Oh putain. Alors, il a faim. Eh ben, ça tombe bien. Ensuite, Jack, hop.
Oui, c'est ça aussi, ça reste, ça, t'as 3-4 modèles de chaque. Ça reste un peu limite, quoi. Alors, toi, t'es, c'est bon, on va te faire sortir. Tu vas pouvoir jouer, voilà. Après avoir, hein, après tout va dépendre du suivi qu'ils vont faire sur le jeu, parce que comme là il est plus en early access, machin, tout ça, est-ce qu'il va y avoir un suivi, est-ce que ou pas? Ah. Alors, oui, tant que j'y suis, hop, on va plier ça, on va remettre la litière. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut pas qu'il faut pas qu'ils s'arrêtent là, en fait. Je pense qu'il faut qu'ils continuent à maintenir leur truc et voilà quoi. Les croquettes pour chat, c'est 6. Et tu. Ah! Il passe sa tête! Il passe sa patte sur sa tête! C'est trop mignon! Hop! La litière. En fait, c'est ça, c'est que je pense que si les mecs suivent bien leur jeu, ça peut être encore mieux, quoi. Ça peut vraiment, ouais, faire un bon truc, quoi. Bon, par contre, j'ai vu que t'étais blessé, toi, Coco. On va s'occuper de toi tout de suite. Ah, tu fais tes griffes. Voilà. Mais ouais, je verrais bien après, tu sais, des rongeurs ou des lapins ou dans le genre, quoi. C'est que je l'avais eu. Alors. Voilà, et c'est bon. Je vais te relaisser dans ta cage. Ouais, voilà. Je vais te laisser là pour l'instant. Je pourrais en prendre beaucoup plus d'animaux, mais j'ai peur de savoir tout, de pas savoir tout gérer en même temps, quoi. Puis autant ceux que tu mets dans les cages là, à l'extérieur, ça va, c'est à l'extérieur, machin. Autant après, c'est dans les autres trucs, c'est pas dans les trucs fermés, c'est moi j'aime moins. Hop. Mais ouais, que tu pourrais mettre quoi? Tu pourrais mettre lapin, tu pourrais mettre. On va s'occuper de toi avant. Il faut un bandage et il va falloir que je rachète des bandages. Voilà. Lapin, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Les oiseaux, ça me paraît compliqué. Allez, on va s'occuper des deux bêtes. Ouais, voilà. Ah, tu veux que. Viens là, toi. Allez, viens, Raph, on va vous mettre tous les deux dehors, vous allez jouer à deux. Pendant que je vais refaire le plein des trucs. Ouais, c'est ça, tu peux rajouter des petits animaux comme ça, ouais. Alors, est-ce que vous jouez à deux? Non, pas encore. Ah, j'ai plus de croquettes. Normalement, je devrais. Bon, alors, ce truc-là est vide. Hop, voilà. J'aime bien le nom de la marque Good Boy. Hop, voilà, ils sont en train de jouer à deux, ils s'éclatent. Ah, c'est cool, tu peux les laisser à deux, ils jouent ensemble et ça monte tout seul, c'est cool. Ouais, après, serpent, je pense pas. Allez, viens, cocotte. Hop, on va te mettre dehors aussi. Toi aussi. Hop. Et on va s'occuper un peu de vous deux. Alors, qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Toi, tu veux un biscuit. Voilà. Oui, c'est ça, ça reste un refuge, quoi. Et Rosie aussi, elle veut un biscuit. Voilà. Ah, ton pelage est sale. Ok. C'est le 9.
Oh, cette petite bouille quand tu lui grattes le dos avec la brosse. Voilà. Et toi, Rosie? Ah, putain. Ah, putain, la sauvegarde, faire tourner la caméra complètement, quoi. Voilà. On va faire des photos de tout le monde. Hop. Hop. Il y a Gizmo. Et voilà. On va aller scanner toutes les photos. Ah, ça va, j'ai un Gizmo, il peut passer au moment où j'ai pris la photo. Bah moi aussi, c'est pour ça que je veux voir, est-ce que ça rend le truc plus grand, est-ce que c'est... On va voir. Ça va être la grande surprise. Alors. Du coup, comment ils sont? Alors. Alors, Gizmo, on peut lui mettre sa photo, il est à fond, il peut être adopté. Gizmo. Hop, Gizmo. Voilà. Ralph, c'est pareil, il est à fond. Jack, il n'est pas encore adoptable. Il manque un peu de trucs. Donc on va aller voir. Et Rosie, elle peut être adoptée. Rosie, à quoi il faut, elle veut jouer. On va essayer d'augmenter ça. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, toi? Jack, qu'est-ce que tu veux? Un biscuit. Ok. Toi qui me bouffe tous les biscuits, quoi. Et Rosie, elle est là. Et Rosie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un biscuit aussi. Ok. Voilà. Du coup. Ah, le laser. Avec les petits miaulements et tout ça, c'est trop trop mignon. Hop, une caresse. Oh là, cette tête quand tu les caresses, je trouve ça génial. Et toi, Rosie, qu'est-ce que tu veux? Les caresses. Je peux aller mettre vos photos maintenant. Et on va vous trouver une famille. Alors, trouver une maison, Rosie. Hop, et Jack. Hop, c'est parti, Gizmo. Alors, Gizmo, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui a du temps, quelqu'un qui a des ans, qui n'a pas d'enfant. Ah, ça marche vu que il n'y a pas d'enfant. Drôle, ok, c'est bon. Courageux, c'est bon. Et bruyant, il n'y a pas le truc. Donc nickel. Pour Ralph. Il y a du temps. Ah non, mais Expiag y a déjà, donc ça va pas. Bon, on va aller voir.
Donc là, c'est Gizmo. On a trouvé une famille pour Gizmo. Cette petite musique triste quand tu mets le chien à la voiture. Au revoir, Gizmo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça considère. Putain, ça considère pas que. D'accord. Ah, c'est dommage. Ensuite, donc on était sur ça, Ralph. Quelqu'un qui a du temps. Mais il veut pas quelqu'un d'esprit de glouton. Donc du coup. Hop. Alors, confiance, c'est bon. Elle n'a pas de temps, donc désolé Marine, c'est pas pour toi. Jack. En fait, c'est ça, c'est con qu'on puisse pas le jouer à 2-3 ce jeu. Parce que t'aurais quelqu'un qui pourrait s'occuper des adoptions, quelqu'un qui pourrait s'occuper des chiens, quelqu'un qui pourrait s'occuper des chats, et là ça pourrait être intéressant dans le sens où oui, les bâtiments où tu peux avoir plus d'animaux, tu pourras en avoir plus, parce que t'aurais tout le temps quelqu'un qui s'occupe de ça. Là, bon, quelqu'un qui a du temps, c'est mort, quelqu'un qui a une grande maison, c'est mort, qui a pas de chien, c'est mort. Gold Rush, je connais pas du tout. C'était une simulation de quoi? Y a rien qui va. Ah si, non, y a rien qui va. Rosie, voyons un peu pour Rosie. D'accord, de l'or dans l'Alaska. Ok. Oui, vu le nom, c'est pas déconnant en même temps. Alors, quelqu'un qui. Il veut pas qu'il soit expiègle. Calme, machin. Il y a le côté expiègle qui pose. Ah putain, il y a deux critères qui vont pas, quoi. Ça déjà. Ouais, d'accord. Ah oui! Ah ouais, avec une grosse pelleteuse, d'accord, ok. Alors, oui. Ah, elle a pas de temps. Il n'y a qu'un seul critère qui correspond pas là. Du coup, la première, je vais l'enlever parce que elle, il y avait deux critères qui correspondaient pas. On va attendre un peu. Ralph. Déjà, il y a la confiance qui est là. Ok. Pas de temps. C'est réglé. Alors, du temps, confiance, ouais, c'est bon ça va. Ralph. Et après, on va faire un tour pour nettoyer. Parce que tu vois, en fait, t'as des bâtiments, les derniers bâtiments qui me manquaient, c'est les grosses. Alors j'ai le même pour les chats. Attends de voir, on est à 60, ok. Du coup, en fait, c'est les mêmes bâtiments chez les chats, mais en gros, c'est ça. Tu sais, c'est des cages comme ça, quoi. Ouais, tu peux en avoir, tu peux avoir 8 chiens, 8 chats pour l'instant, mais j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup et que donc ça soit galère à gérer. Ouais, c'est du stockage pur et déjà dans la vraie vie, je suis pas fan de ça, donc je le suis encore moins dans le jeu, quoi. Là, je les ai juste fait parce qu'il faut le faire pour la kill quête, quoi, mais. Enfin, il n'y a pas l'air, je vais regarder à plus en détail après, mais il n'y a pas l'air quoi. Donc la grande maison, pas de chien, dommage. Pas de jardin, du temps.
Enfin, t'as des conditions qui correspondent, mais pas toutes, quoi. Alors, grande vessie, loyale. Là, il n'y a aucun critère qui correspond, mais c'est pas non plus négatif. Grande maison, du temps, pas de jardin. C'est un peu relou là. Rosie. Ouais, toi t'avais un critère, je crois, c'est ça, on avait vu, t'avais un critère. Parce qu'après, t'es censé t'agrandir, tu vois, t'as un classement régional, national et international, je crois. Et donc, du coup, je me dis, international, comment tu peux tout seul? Enfin, c'est juste bizarre comme truc, quoi. Ça, c'est bon. Ok. Royal. Eh bah, écoute, on a trouvé. On a trouvé. Pour Rosie. Ah, Jack, il va pas bien. Ah, il faut se récupérer de Jack, là. On va s'occuper de Jack après. J'ai eu un message comme quoi que Jack ça allait pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et ben on est bien là, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Pépette? Viens là, ma puce. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ta santé baisse? Alors, ne semble pas être blessé. Bah, c'est bizarre. Ta santé baisse, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Ah! Est-ce que ça serait pas ça qu'il faudrait faire? Parce que ça baisse bien en plus, hein. Est-ce que j'en ai encore une? Prélèvement. Hop. Ah oui, c'était ça la prise de sang, d'accord. Hop. On va voir ce qui t'arrive du coup. Je te repose là et on va aller voir qu'est-ce qui t'arrive. Comme ça, s'il y a un truc à commander. Alors, froid. Traitement recommandé, seringue. Ok. Ok. Du coup, ça, j'en ai pas. Je vais faire une grosse commande parce qu'il y a plein de trucs que j'ai presque plus. Et après, on va faire un peu de rangement, nettoyage. Et viens là, bonhomme. On va s'occuper de toi. Hop, hop, donc du coup, la seringue. Voilà. On te récupère. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que les bâtiments sont plus grands ou les trucs dans le genre, parce que vu la place que tu es censé avoir après quand tu bloques tout, soit tu as plusieurs enclos. Ouais, c'est peut-être ça aussi, tu peux avoir plusieurs enclos. C'est peut-être ça. Voilà. Jack. Alors déjà, est-ce qu'il y a des trucs à contre-indiquer? Façon, on place Jack dans une bonne famille et on regarde un petit peu, je vais regarder un petit peu dans les constructions et tout ce qu'il peut y avoir après quoi. Alors, grande maison, non. Ça, il y a juste le côté où il y a un chien qui pose problème, quoi. Alors ici, grande maison. Oh, j'ai trop de trucs qui vont pas là. Et toi?
Le bête. Ah, il y a le côté bête que tu veux pas. Après, il y a un. Ouais, du coup, c'est toi qui correspond le plus, quoi. Il y a juste le chien, mais on va voir. Ah, c'est... Ok. Ouais, si, j'ai quand même 180 points. D'accord. Du coup, voyons où on est. Alors... les stats. On est en train de monter. Tu vois, t'as national et mondial. Donc, du coup, il y a un moment, tu te dis... Enfin, comment tu peux... Enfin, je vois pas trop comment tu peux faire tout seul, quoi. Et en construction, c'est quoi, ça? Ça, c'est vendre. Ok, tu peux vendre des bâtiments. Voilà, acheter. Alors le bureau, tu le passes en niveau 2, niveau 3. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. L'entrepôt. Ouais. Tu vois, il n'y a pas... Studio photo, tu peux l'agrandir. Les logements, tu peux les monter au niveau 3. Bon, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Le lavage aussi. C'est bizarre, vas-tu... Putain, tu peux racheter des meubles. Je sais pas si ça a un impact ça sur le truc quoi. Mobilier de lavage. Ouais, tu peux aussi racheter des cages à chiens et tout ça m'intéresse pas. Mobilier pour studio photo, on s'en fout. Table médicale, il y a. Placard. Ouais, décoration, tu peux aussi racheter les décorations quoi, ouais. Bref, bon, on va nettoyer tout ça. Alors si, on va faire un plein de tout. Et je vais arrêter de me déplacer avec tous les trucs. Aliments. De l'eau, j'en ai encore. Ça, j'ai encore. Ça, j'ai encore. Des cookies. Ah, tu peux acheter de la meilleure nourriture maintenant. Je vais pas en acheter tout de suite. Je vais d'abord finir celle que j'ai. Là, tu peux racheter des bols, machin, tout ça. Ok, côté médecine. Des bandages, on va en acheter 3. Goutte oculaire, on va en acheter 2. Nourriture de vétérinaire, on va en acheter 2 parce que j'en ai pas. Des piles, j'en ai pas. Pinces, j'en ai. Plâtre adhésif, on va en racheter 2. Rasoir, j'en ai 1. Seringue avec médicaments, on va en acheter 2. Ça, pour des prélèvements, on va en acheter 2. Et ça, on va en acheter 2. Hygiène, on va racheter un balai. Comme ça, je vais le foutre un dans chaque. Serpillière. Non. On va en acheter qu'une. Shampoing, j'en ai encore un. Séchoir, j'ai. Sac de sable, on s'en fout. Litière, c'est bon. C'est quoi la différence entre les deux éponges? Ouais. J'en ai encore une, donc c'est bon. Les jouets. Alors, ça, on va en acheter 2. Le grattoir, j'en ai. Des boules à ressort, on va essayer de voir si on peut les foutre dehors. Et hop. Et ça, c'est pour agrandir les trucs. Et autre, c'est quoi? Appareil photo, trépied, tout ça, j'ai. Alors, on va commander tout ça. Hop. Du coup, ici, est-ce qu'il y a nettoyé? Est-ce que les chiens ont fait leurs besoins quelque part? Alors, j'ai quoi d'autre à déposer ici? Litière, boule à ressort, serpillière, un balai. Eh ben, on va foutre le balai ici. Hop, comme ça, j'aurai un balai ici. Je vais foutre une serpillière ici aussi. Comme ça, j'aurai les deux. Ça irait de me balader avec dans mes...
dans mon interface. Truc, c'est que tu sais pas ce que tu laves en fait. C'est ça le problème. Oula. Putain, la sauvegarde. C'est pas évident de balayer en fait. Tu sais pas trop ce que tu balayes. Ok. Ah. Est-ce que j'ai d'autres trucs pour les chiens? Oui, les os mâchés. Voilà. Ça s'acheter. Hop. Ça c'est con en fait, t'as un truc pour ranger mais tu peux rien ranger dedans. C'est un peu dommage. Là, j'ai des trucs à poser ici. Médicaments, plâtre adhésif, goutte oculaire. Alors. Il est énorme votre suppositoire. Putain, la taille du machin. Mais comment tu veux que je fasse rentrer ça chez un chat? Il est comme ça. Ah, ça c'est le médicament. Ensuite, plâtre adhésif, j'en ai plusieurs là. Ça, on va l'acheter. On lui posera la question tout à l'heure. Hop. Là, ensuite, j'ai ça. Voilà. J'ai quoi d'autre? Ça. La nourriture de vétérinaire, c'est aussi à foutre là. Seringue pour prélève, pour échantillon. Ok. Voilà. Et la nourriture vétérinaire, on va laisser ça là. Et voilà. Du coup, côté veto, on est bon. Alors, un balai. Putain, mais je vois pas où c'est sale en fait. C'est ça le truc qui est con quoi. C'est que tu vois pas où c'est sale. Hop. Voilà, on va faire l'autre tout de suite avant de le poser. La serpillière, on va la poser aussi. Voilà. On va ramasser ça. Ça, on aura tout nettoyé, on pourra en réaccueillir. Alors, ici, de la nourriture pour chat. T'es full de mémoire, ouais. Ici, de l'eau. Ah, le bidon est vide.
Hop. Voilà. Et ici, c'est plein. Ok, niveau litière, c'est bon. Et ici, il faut en mettre. Voilà. Alors, du coup, est-ce que les jouets, on peut les poser à l'extérieur ici? Ouais, on peut les mettre là. Donc, ils peuvent jouer, ils peuvent avoir des jouets à l'extérieur. Ça, c'est cool. Alors, ensuite. Voilà, comme ça. Il y a ça. Par contre, on peut pas foutre de litière de mémoire, ni de bol d'eau à l'extérieur. Non, ça va placer dans une cage automatiquement. Ok, donc ça va rester là-dedans. Et le bol d'eau aussi. Ok, tout le reste c'est bon. Ah, j'ai oublié ça. Je viens de le voir. Ok, bah du coup, tout est rangé, tout est propre. Il faut vider les deux boîtes. Faut jeter les deux boîtes et c'est reparti, on va réaccueillir des bestioles. Là j'ai refait un plein de trucs. Donc je vais pouvoir économiser pour agrandir l'un des bâtiments. Oh putain la sauvegarde elle est violente. Chaque fois je me retrouve dans un autre sens, en l'air ou... Après, j'ai peut-être agencé les trucs différemment parce que comme le truc de lavage c'est que pour les animaux, c'est rien de le foutre aussi loin en fait. Toi si je te déplace, est-ce que tu... Oh non c'est un peu juste là, ouais là... si je te mets comme ça et que je mets le truc de lavage juste en face. Voilà. Ça c'est le truc à poubelle, je vais le laisser à côté. Ça j'ai moins loin. Là, les chats c'est là, le truc de ce... Ok. Ça me paraît bien comme ça. Du coup, alors, qu'est-ce qu'il y a comme pépette à sauver? Il y a Cash qui... Il va lui falloir des soins. Allez, on va tout de suite voir les soins. Alors, il faut une pince. Est-ce qu'il y a une tique? Oh, putain, elle est énorme, sa tique. Ah. Je vais refaire le plein, là. Oui, il y a le plein. Du coup, t'as faim, t'as soif, on va te laisser tranquille. C'est clair, t'as vu la tête du machin? Hop. On va profiter, on va prendre Roscoe aussi. Roscoe, il a juste faim. Bah, écoute, très bien. Voilà. Ensuite, on va récupérer les deux chats. Mais ouais, c'est vrai que plus j'y pense, plus je me dis, ouais, un petit peu optimisé de... Non, c'est pas le suppositoire que je voulais, c'était les bandages.
J'ai plus de bandage? Ah! J'ai plus de bandage, ça craint. Bouge pas le chat. Mais oui, avoir quelqu'un ou des employés à qui tu pourrais dire, bah tiens, il faut ça, ça, ça. Médecine. J'ai le chat qui est tout seul dans le truc là-bas, la clinique. Voilà. Je pensais que j'en avais encore. Eh ben, il bouge pas, c'est bien. Alors, du coup, on va mettre les bandages là. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus rien. Ouais, voilà, c'est. Ou avoir des employés à qui tu pourrais dire, bah tiens, occupe-toi des commandes, occupe-toi de ceci, occupe-toi de cela, mais ouais, c'est un peu dommage. On verra peut-être dans un futur patch. C'est comme le truc de station essence, la gas station, où en fait ils ont rajouté la station de lavage derrière. Mais tu savais qu'il y aurait vu que tu avais une station de lavage qui était pétée. Donc c'était pas surprenant. Mais pareil, et là tu peux automatiser parce que tu avais des employés. Donc ça c'était cool. Alors qu'est-ce que t'as d'autre? Ah, il va falloir te mettre un truc collant, voilà. Voilà. Hop. Et voilà, t'es plus blessé, c'est bon. Tu repars là-bas. Hop, et on va s'occuper un peu des toutous maintenant. On a récupéré tous les animaux qu'il y avait à sauver. Hop, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du divertissement. De toute façon, on va vous sortir, vous allez jouer à deux. Voilà. Et toi, c'est pareil. Allez, viens là. Faudra vous laver après. Un peu de caresse? Allez, un peu de caresse. D'accord, ils ont décidé de jouer à deux. Eh ben, je vous laisse tranquille. Les chiens, c'est plus simple quand même, parce que tu les mets à deux, voilà, ils jouent ensemble et leur divertissement augmente tout seul. Les chats, c'est pas pareil. Du coup, toi, t'as été chier à côté de Taïcher. Merci. Bravo. À côté de la bouffe en plus. Bien joué. Alors, du coup, on va voir si les trucs vous intéressent ou pas. Alors, on va te brosser un petit peu parce que tu veux du brossage. Ça sert à rien d'aller vite, il faut bien le faire tout le long quoi. Et toi, c'est pareil, on va te brosser un peu parce que t'es pas super. Voilà. Bon, on va vous prendre en photo aussi. Et toi, t'es où? Le deuxième, il est où? Il est là. Toi, c'est le laser que tu veux. Mais ça marche aussi. Alors du coup, hop, photo.
bientôt. Sony. Voilà. Ah bah ils jouent. Ah c'est génial. Donc j'ai bien fait de leur foutre des jouets. Ça c'est cool. Hop, et toi? Mais ouais, j'ai hâte de. Il va falloir beaucoup de pognon, mais j'ai hâte de voir ce que c'est le bâtiment plus grand, quoi. Enfin, le bâtiment niveau 2, et après, t'as un niveau 3. Du coup. De finir toutes les photos. Bah, pour le bâtiment 1, pour le bâtiment 1 qui me manquait, c'était 4000. Donc là, on va regarder, mais je crois que je dois être 6-7000, un truc dans le genre. Donc en gros, tu as entre 300 et 600 par animal. On va regarder. Tu vois, bâtiment du logement 8009. 8009 et j'ai 1003. Donc il y a du boulot. Après, la question c'est une mise à niveau, mais du coup, est-ce que c'est un nouveau bâtiment complet ou est-ce que c'est un agrandissement de celui que t'as? Parce qu'à ce moment-là, il suffit de vendre celui-là et c'est réglé. Enfin, c'est réglé, non, ça participe aussi, mais je sais pas. Bon, on verra bien. Du coup, on va en profiter. Cash, il peut être adopté, donc on va mettre sa photo. Hop, Roscoe. Roscoe peut être adopté. On va mettre sa photo aussi. Hop, Mac. Ouais. Ah, du coup, c'est enfin, pas que ça t'oblige, c'est le but du jeu de sauver les animaux. Mais Sony, c'est le bon truc, ouais. Du coup, bah, tu sais qu'il faut que tu sois un paquet d'animaux. Et donc, du coup, c'est là où le côté où, oui, t'as plein de. Comment dire? T'as plein de bâtiments avec des. Quand tu dis que ça fait entrepôt, moi que je suis pas fan, là ça joue parce que, du coup, tu prends plein d'animaux et tu fais ça à la chaîne. Mais moi, j'ai absolument pas envie de faire ça, quoi. Alors, du coup. Ah. Caractéristiques qui correspond pas quoi, énergique ça va pas quoi. Ouais, de toute façon t'en as d'autres qui marchent pas donc ça tombe bien. Puis aussi ça, tu dépenses 25 à chaque fois que tu fais une enquête pour voir si ça correspond. Alors, grande maison, jardin, du temps, mais non, t'as pas de temps quoi, c'est ça le problème quoi. En plus, t'as une caractéristique que tu veux pas. Ok. Ah ouais, c'est peut-être ça que tu peux faire, ouais. Ouais. Mais t'as des trucs qui baissent aussi, tu vois. Si t'en occupes pas, tu vois, t'as des trucs qui baissent. Donc du coup. Ah, ouais. Ouais, on peut, ouais. En même temps, quand ils sont prêts à adopter, moi je les mets tout de suite à adopter, tu vois. Donc du coup. Ah, pas de jardin. Ah non, ça va pas non plus. Mais après, c'était pas précisément pour toi. Alors, du coup, ouais, tu corresponds pas, mais tu corresponds peut-être à Cash. Non, c'est Cash quand même, regardez. Tu corresponds peut-être à Roscoe. Absolument pas. Ouais, peut-être. Faudrait peut-être que je le fasse du coup. Alors là, on a ça qui est bon. Non, le reste ça va pas. Y a rien qui va sur celle-là.
Ah, il y a le côté expiègle qui lui plaît pas, donc déjà ça part mal. Grande maison. Ouais. Les surcaches. Grande maison, non, t'as pas de temps. Ouais, non, t'as rien qui va non plus. Hop. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Le reste, grande maison, du temps, et bah nickel. C'est pour toi. Cash, on a trouvé ton foyer. Musique gay, puis là, truc triste. Bon, cache, c'est bon. Nickel. Tu vois, là, par exemple, j'ai eu pour cache, j'ai eu 466, tu vois. Ouais, tu peux être, quand tu les mets dans la voiture, tu peux caresser que les chiens. Il n'y a qu'aux chiens que tu peux dire au revoir. Les chats, tu mets hors caisse et c'est démerde-toi un petit peu, c'est un peu moche. Ouais, c'est ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Glouton et ça, y a pas, donc ça va. Ah! Ça c'est défavorable. Ouais, puis de toute façon, il n'y a pas la grande maison, donc ça, c'est con. Ça, il y a des trucs qui étaient bien, quoi. Grande maison, pas de jardin. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, il y a un autre chat, ça c'est pas grave. C'est le côté où il n'y a pas de jardin qui peut être gênant, mais le reste correspond bien. C'est quoi ça? Mangeur rapide, ok. Ça j'ai pas, ça j'ai pas. Pas de chat, pas de chien, du temps. Nickel. Du coup, Sony et Mac, c'est bon. Je crois que c'est Mac en premier. Ben je sais pas, je vais y réfléchir parce que. Non, c'est pas celui-là, c'est Sony. Ok, donc c'est raté. Première fois que ça m'arrive, au moins je le sais. Et le truc, c'est que de toute façon, il y a un moment, je pense que t'as pas le choix. Il faut vraiment. Entre guillemets, le fer à la chaîne quand tu arrives dans le côté réputation nationale et internationale. Mais en fait, ça, je m'en fous, en fait. Mais ça doit jouer. C'est plus t'as une meilleure réputation, plus le placement rapporte de l'argent et donc plus tu peux agrandir ton truc et faire ça bien. Mais. Ah, j'avais pas vu ça, merde. Bon, on est quand même pas mal, hein, 145. Sachant que c'est 170 de répute, sachant que je crois le plus gros c'est 180 que j'ai eu. Là, voilà. Et voilà. Et donc il reste plus qu'à trouver une maison. Et tu vois là, j'ai combien de réputation? 174, donc ouais, c'est bien. Il reste plus Crosco. Un punk à chien! Non, c'est pas vrai. Ça c'est bon, au niveau des caractéristiques c'est bon. Ouais, je vais aller voir aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça c'est bon, et bah nickel, tu corresponds. Barbara, c'est pour toi. T'as trouvé une maison. Après, d'après ce que j'avais vu, je sais que la communauté enfin, des gens et des animaux, tout ça, ils attendaient ce jeu pour voir justement s'il était bien ou pas.
Donc on verra. J'ai vu quelqu'un qui était passé sur mon stream la semaine dernière justement qui me disait que bah il y a beaucoup de gens qui aimaient les animaux qui attendaient ce jeu. Les têtes des guides, tout ça qu'on j'ai fait quoi. Et là on est à combien? 187. Ah! Très bien. Ouais, on rattrape celui-là. Propreté 80%, mais oui, c'est parce que normal, il faut que je nettoie. J'ai vu que chez les chats, c'était un peu crade. Oui, la balance quoi. Ok. Bon, du coup, je vais arrêter pour l'instant. Je vais aller manger, de toute façon, et faire à manger. Je sais pas si je vais restreamer cet après-midi, peut-être. En tout cas, ouais, je pense que ça restera mon jeu du week-end. Je pense que je vais continuer à faire ça le week-end, c'est sympa. Ça fait un dimanche matin agréable, ça me plaît bien. Du coup, Oshi, je te dis à plus tard, et puis peut-être tout à l'heure. T'es en train de manger, bah écoute, bah bon app du coup. À plus tard du coup.